Alors qu'Apple annonce la tenue d'une prochaine keynote, son rival historique Microsoft a dévoilé Windows 10. La firme de Redmond ne semble plus miser à fond sur le PC tactile, au moment même où la rumeur annonce l'arrivée d'un iPad Pro chez Apple. Retour enfin sur les couacs d'iOS 8. Apple a-t-elle raté son lancement ? Débat. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette édition d'ORLM qui s'annonce riche avec chroniqueur cette semaine. Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X, ça faisait longtemps. Oui, bonsoir Olivier. En plus, je reviens pour aller parler de Windows 10. On va dévoiler un petit peu du sommaire, mais bon, je vais te laisser la main, c'est quand même toi le patron. Oui, pour parler du côté obscur de la force, un spécialiste, l'expert, l'équivalent de Paul Rony dans le monde du PC, Monsieur Julien G, le rédacteur en chef de Cubic qui est en duplex de Lyon. Bonjour Julien. Bonsoir Olivier. Alors, écoute, je pensais vous parler de Windows 9 à la base, mais il paraît qu'il faut dire Windows 10. J'ai dit quoi ? Du coup, il va falloir s'y faire. Ouais, ouais, j'ai bien dit Windows 10, que j'ai tendance à dire Windows 7, moi, mais je suis resté bloqué il y a trois générations. Alors, tu es en émoi, ça y est, on voit apparaître des nouveautés du côté de Microsoft. On va pouvoir en parler en détail. Oui, enfin, les mois n'est pas encore là, mais effectivement, on va dans le bon sens. Bon, y a quand même ça veut dire qu'on retourne en arrière, c'est ça, Julien? C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on remet ce qui marchait bien, en fait, et qu'il ne fallait pas enlever. On va en parler dans un instant, et avec moi en plateau, ici à Victor Images, Paul Rony, l'anthropologue du Mac et notre Benjamin de l'émission. Bonjour Paul. Bonsoir Olivier, ça va? Oui, ça ne va pas te faire trop de mal, ça va te gratter partout ce soir. On va parler de Microsoft. Non, ça va aller. Hein, en préparant cette émission, il n'arrêtait pas d'envoyer des vannes. On va essayer de se calmer, hein, d'être corporate ce soir, mon cher Paul. Tout à fait. On va lui donner la parole à Paul, puisqu'on va commencer tout de suite par le chiffre de la semaine. Cette semaine, vu qu'on fait une émission sur Microsoft, on va faire un chiffre sur Microsoft. Non. Et cette semaine, justement, on... Je sens que tu t'as pris beaucoup de plaisir à faire le chiffre de cette semaine. Oh. Un petit peu. Allez. Ce qui est assez marrant, c'est de voir qu'en fait, la division... ce qu'on va voir avec ces courbes, c'est qu'en fait, les revenus de la division Windows Phone chez Microsoft sont à 2,2 milliards de dollars. C'est pas mal. Mais dans ce chiffre, il y a... Je te sens taquin aujourd'hui, je suis très inquiet. Il y a 1 milliard qui vient de chez Samsung. Oui, c'est original. Et de chez HTC, où je crois que Samsung est peut-être exonéré de... Alors, explique-moi, pourquoi Samsung et HTC reversent 1 milliard à Microsoft? Alors, ce qui s'est passé, c'est que Microsoft n'a pas attaqué Google frontalement, mais a attaqué les fabricants directement de hardware. Ouais. Et donc, HTC, Samsung, LG ont été condamnés à payer en fait une amende annuelle à Microsoft pour l'utilisation d'appareils Android. On estime que ça leur coûte à peu près entre 10 et 15 dollars. Je coupe, c'est pas une amende. Non, c'est un accord. Oui, c'est un accord. C'est un accord de licence. Voilà. Un accord de licence croisé. Personne. Justement, c'est intéressant, doublement. Alors, en résumé, donc, les constructeurs, que ce soit par exemple Samsung ou HTC, utilisent des technologies propres à Microsoft, qui fait qu'effectivement, ils sont fait retoquer par les avocats de Samsung. Est-ce qu'il y a de Microsoft qui réclament son dû finalement sur ces brevets. Et donc, ils reversent quand même 1 milliard, ce qui représente presque la moitié des revenus de la division mobile de Microsoft. C'est pas mal, hein. Encore une chose par rapport à ça ou c'est fini pour ça? Bah, c'est à peu près tout. C'est déjà énorme. Alors, quelle réaction, quelque part? Est-ce que ça t'étonne, Julien? Et au-delà, est-ce que finalement, la stratégie de Microsoft n'est pas la bonne, plutôt que d'attaquer en frontal, comme le disait tout à l'heure Paul, comme le disait Paul avec Apple, qui a attaqué en frontal Samsung, j'y suis arrivé. Est-ce qu'il vaut pas mieux, comme ça, négocier et avoir une rente annuelle considérable? 1 milliard, c'est presque autant de ce que doit verser normalement Samsung à Apple. Waouh, elle était longue, ma question. On voit que la stratégie de Microsoft, qui est effectivement de discuter et de ne pas aller en frontal, a fonctionné, au moins pour 2013. Je crois que pour 2014 ou peut-être 2015, ils n'ont pas payé encore. D'accord. Ils vont avoir un peu de mal, mais on en parlera dans cette émission. Ça va se renégocier, ça se terminera peut-être devant les tribunaux, parce que Samsung n'a pas trop envie de réitérer l'exploit. En tout cas, c'est l'éternelle problématique des brevets logiciels. Voilà, c'est des brevets logiciels liés à la téléphonie mobile, ouais. Propre à des technologies de Microsoft. Hein. Ce n'est pas forcément du plagiat d'interface ou des choses comme ça. Hein. Non, oui, ça peut être effectivement un brevet sur de la lecture média, ça peut être un brevet sur de la radio, etc. Il y a tout un tas de choses. Mais en tout cas, si ça confirme une chose, c'est qu'Android n'est pas un système d'exploitation gratuit pour les fabricants. C'est ça. C'est clair. Et que Microsoft peut gagner de l'argent sur le mobile, ça confirme aussi une autre chose. Alors, je suis taquin. Monsieur X, votre réaction concernant le chiffre de la semaine de Paul Rony? Moi, je pense que c'est assez malin de la part de Microsoft. Voilà. Et bon, comme on parle quand même d'Apple,
Apple dans cette émission. On peut dire que c'est une approche qui est assez différente de ce qu'aurait fait Apple. Il faut se rappeler que à l'endroit d'Android, Steve Jobs avait déclaré « Nous allons leur faire une guerre nucléaire ». Là, c'est très réaliste, c'est une approche business. Et moi, je trouve que c'est plutôt malin. Maintenant, je pense qu'ils sont un peu au bout du truc parce qu'on sait qu'il y a des variations d'Android dites ouvertes ou open en anglais dans le texte qui devraient permettre aux fabricants comme LG et Samsung, même si Microsoft les attaquait, de contourner le paiement de cette dîme dans le futur. Donc, c'est un bon coup de la part de Microsoft, mais ça ne va pas durer quoi qu'il arrive. On aura l'occasion, tout au long de ces missions, de revenir sur l'actualité de Microsoft. On va parler un petit peu d'Apple quand même en préambule, si vous êtes d'accord, messieurs, avec le carton d'invitation qu'a envoyé les responsables d'Apple à la presse et à la bloglosphère, dirons-nous, cette semaine. Un carton qui est assez évocateur donc, de la prochaine keynote qui aura lieu jeudi prochain, le 16 octobre. On la voit ici, « It's been way too long », ça a été un... What a good accent. Yeah, bah oui, heureusement que mon épouse est australienne, hein, comme quoi on s'améliore. Alors, ça a été une très longue attente, on peut résumer comme ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs? Tiens, on va commencer par Paul. Bah, cette affiche, elle fait clairement penser à celle des 30 ans du Mac, ne serait-ce que par les couleurs. Je crois que tu l'as, non? Vas-y, je l'ai, je vais la montrer. Voilà. Mais alors, après, il y a des gens qui ont été chercher des tas d'interprétations farfelues, comme un doigt en train d'appuyer sur une surface. Ouais. Ou alors... un iMac Retina qui arriverait ou enfin en tout cas donc effectivement ça rappelle effectivement la charte graphique des 30 ans du Mac. 30 ans du Mac avec effectivement les couleurs d'origine avec le dégradé d'arc-en-ciel. Ouais. Alors, ça veut dire quoi? Moi, ça me fait penser automatiquement dégradé arc-en-ciel, Apple historique. Ah, je suis en émoi, monsieur X, ça me fait penser à du Mac. On va en avoir du lourd, monsieur X, la semaine prochaine. Écoute, sans vouloir te casser le fil conducteur de l'émission, moi, ça m'a fait penser à deux choses. Non, c'est Cédric, c'est sa grande spécialité. Mais il n'est pas là ce soir, il est au Japon. C'est Cédric, ouais. La première chose, moi, c'est plutôt le titre qui m'a amusé, parce que bon, je pense que l'attente en certaines choses n'est jamais trop longue, mais cette mauvaise blague mise à part, en fait, c'est pas cet événement-là du 16 octobre qui a été confirmé hier soir que je pense, parce que je pense que dans le trimestre qui vient, il y aura encore plus important que ce lancement commercial qui va être un autre événement qu'Apple organise, sur lequel moi, mon esprit est plus focalisé, et qui est le fameux sommet MFI, Made for iPod, iPhone et iPad, qu'Apple va organiser en Chine du 12 au 14 novembre, et qui va être le lancement officiel par Apple des spécifications publiques, des kits de développement HomeKit et HealthKit, et qui va être un petit peu le point de démarrage d'Apple, d'appel aux partenaires asiatiques pour développer des accessoires qui vont alimenter son écosystème HealthKit et HomeKit. Je pense que c'est ça la vraie grosse annonce du trimestre. Celle-ci, le 16 octobre, est un petit peu attendue parce que si on regarde les années passées, il y en a toujours une maintenant, ça sera la quatrième année, depuis 2012, en octobre, des keynotes pour lancer quoi? Un nouvel iPad. Ouais, pour toi, c'est l'iPad. Et de temps en temps, des Macs, ouais. Il y a quand même près de deux années sans mise à jour majeure, Paul, du Mac Mini. Le Mac Mini, l'iMac, il serait temps de s'en occuper. L'écran Thunderbolt est mort. L'iMac n'a pas énormément évolué, à part en finesse, ces deux dernières années. Il y a beaucoup de rumeurs autour de MacBook Pro. MacBook Air n'a pas changé depuis 2010. Ouais. Julien, de ton côté, quels sont les pronostics côté de la rédaction de Clubic à Lyon? Côté rédaction, je pense qu'on attend tous, et c'est assez logique finalement, de nouveaux iPads. C'est vrai que ça colle pas trop avec le carton d'invitation qui fait plutôt penser à de nouveaux Mac. Ah, merci quand même. Après, dans la wishlist, personnellement, j'aimerais bien un nouveau MacBook Air. Ça arrive. Si je pouvais changer mon MacBook Air sans B-Bridge, ça serait quand même pas mal. Ouais. Mais là, j'ai rien de concret pour corroborer ça. L'enjeu véritablement pour le Mac, c'est qu'il y ait, Paul, de la nouveauté, je dirais, en termes de design, de nouveauté matérielle, et pas simplement ce qu'on appelle dans le jargon un speed bump, hein, c'est-à-dire qu'on ait vraiment un nouveau design à se mettre sous la dent et pas simplement un revival de ce qu'on a vu déjà depuis 2 ou 3 ans ici avec ce MacBook Air. Il y a 3 ans justement, ou 4 ans, parce que je deviens vieux, je ne sais plus compter, il y avait déjà eu un événement dédié, souvenez-vous, ça s'appelait Back to the Mac. Il y avait encore Steve Jobs aux commandes, c'était le bon temps. Et on avait droit à un nouveau design. Est-ce que là, ce serait un cycle assez logique? Alors, en MacBook Air, c'est quoi? C'est un 12 pouces Retina, c'est ça, avec un nouveau design? C'est ça. Alors, normalement, on parle d'un MacBook Air Retina 12 pouces avec un trackpad qui disparaîtrait et qui serait intégré au châssis. Comment
Donc bah, on tape comme. J'ai tapé. On tape doucement sur la surface et il ferait toute la longueur du repose-poignet, donc avec un système de détection. J'ai cru un instant, tu me dire que vous allez sortir un Mac tactile, mais on va en parler avec Windows. Mais... Non, il est probable que non, mais par contre, on a vu que l'approche d'Apple avec le Mac pour le tactile, c'était ses trackpads qui permettaient des gestes à 1, 2, 3, 4 doigts. Et ce MacBook Air continuerait dans ce sens en allant encore plus loin. Il serait encore plus fin. Il proposerait visiblement un connecteur USB type C. Donc, réversible, plus fin, plus petit, une charge par induction, enfin tout le monde rêve peut-être un peu trop, mais ce qui est quasiment acquis, c'est qu'il utiliserait des puces Broadwell, qu'il n'aurait pas de ventilateur et que ce serait un 12 pouces Retina. Donc la nouvelle génération des puces d'Intel, et puis moi ça me ferait plaisir qu'on fasse waouh, on a fait waouh l'année dernière avec le Mac Pro, mais c'est quand même un produit assez de niche. On n'a pas de sous en plus. Assez élevé, on n'a pas de sous. Assez, dirons-nous. Ça ferait plaisir qu'on fasse le voie qu'on a fait il y a une dizaine d'années lorsqu'on a vu la Mac Tournesol, par exemple. Moi ça me ferait très plaisir. Mais oui, sinon, je suis surpris, vous ne parlez pas de Yosemite. Ça veut dire qu'il y a un nouvel OS chez Apple, ça n'a plus d'importance? Bah écoute, ça a beaucoup moins d'importance que Windows, on va parler dans un instant. Monsieur X, tu auras le temps de te venger sur Apple, puisqu'on va parler des couacs de iOS 8 dans un instant. Mais pour conclure sur ce sujet, Monsieur X. Je vais continuer dans la fibre de Cédric. Moi, je vais voter pour un outsider pour le 16 octobre. Sort de ce corps, Cédric, donc ce soir. C'est l'Apple TV. Oui, bien sûr. J'ai tweeté cette semaine en direct la mise à jour du firmware de mon Apple TV, qui est celle de dernière génération, la 3. Ah, c'est toi qui as un Apple TV, monsieur X ? Oui, absolument. Et je m'en sers tous les jours, même pour Netflix. C'est pareil, sans déconner. Et cette mise à jour, même si elle ne le dit pas à ses utilisateurs une fois effectuée, puisqu'elle parle d'amélioration de l'expérience client, de l'implémentation de la fonction partage familial, embarque en fait, ça c'est 9to5Mac qui l'a révélé, tout le code source pour HomeKit une fois de plus. Donc aujourd'hui, si vous avez fait votre mise à jour, votre Apple TV normalement est un hub qui va se connecter au futur device HomeKit. C'est mon intervention précédente sur le sommet MFI d'Apple en novembre. Et là, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Ça, c'est en plus. On veut des iMac. Par Apple. Ouais. Surtout que moi, je pense sincèrement que le futur d'Apple en termes de chiffre d'affaires, il est plus autour de l'écosystème de la domotique que sur le Mac, qui certes continue à progresser, mais à la vitesse à laquelle les ventes de PC plongent. Il n'y a pas de dynamique intrinsèque sur ce marché. Donc des nouveaux Macs, c'est pour les Mac fans, mais la vraie actualité pour Apple, c'est HomeKit, donc j'espère qu'on va parler des nouveautés Apple TV, peut-être un nouveau produit, et en tous les cas, quel rôle entend Tim Cook faire jouer à ce produit, puisqu'il a dit que ce n'était plus un hobby. Voilà, j'ai cru qu'il allait mourir de sans rêve, parce qu'il ne respire plus maintenant. Il fait des phrases de 250 km, monsieur X. Mais c'est très intéressant. Ouais. Non, mais en tout cas, change, mais ça fait 4 épisodes que je ne suis pas là. il faut qu'il place du temps d'antenne. Mais c'est vrai, monsieur X, je vais dans votre sens. Ça fait près de 4 ans qu'on n'a pas eu une mise à jour majeure d'Apple TV. Hein, le petit boîtier noir que l'on connaît, le petit pavé noir, a été introduit il y a près de 4 ans, plus de 4 ans maintenant. Qu'aujourd'hui, le produit, il a un peu de mal face à la concurrence, notamment le Chromecast, qui est près de 3 fois moins cher que le produit d'Apple. Donc, il serait temps que du côté de Cupertino, on soit un petit peu ambitieux du côté d'Apple. Et pour parler encore de Cédric, moi j'arriverais carrément d'une télé, mais on sait qu'il y a eu quelques annonces aussi hein, cette semaine, des constructeurs qui reprendraient l'interface et certaines fonctionnalités d'iTunes et d'Apple TV. On pense à Philips aussi, on va voir. Effectivement, c'est une piste intéressante. Alors, Philips, ils vendent juste, tu as vu la rumeur en Inde, c'est ça ? Ils vendent une télé avec une Apple TV. Ils vendraient. Rien d'autre. Voilà, ils vendraient, mais bon. Par contre, Carl Icahn a demandé aujourd'hui, il a dit oulala, en 2016, ce sera le bon moment pour introduire une télé Ultra HD chez Apple. Oui, écoute. Mais c'est Carl Icahn. C'est Carl Icahn. C'est sûr qu'il n'a pas demandé qu'on augmente le prix des actions. Aussi. Oui, encore, il faut acheter des actions. Alors, ça a été le petit quart d'heure de Microsoft. Alors, on s'est un petit peu moqué avec Paul. Maintenant, c'est le tour de Julien de se venger. On va parler des couacs d'iOS 8. Il semble, Paul, qu'Apple ait bien du mal à corriger tous les bugs de son système. Est-ce que tu peux brièvement nous lister les principaux problèmes qui sont les plus récurrents ? C'est bon, tu as une heure devant toi, là ? Non, quand même pas, mais les problèmes récurrents d'iOS 8, je t'écoute. Comme d'habitude, la batterie qui tient beaucoup moins longtemps, la perte du signal Wi-Fi et parfois impossibilité de se reconnecter à un réseau Wi-Fi, ce qui est quand même un tout petit peu embêtant pour des produits qui n'ont
pad pour Ethernet. Perdre du Bluetooth, c'est pas très pratique, surtout que avec Yosemite, on devrait voir arriver Onduff et Continuity, et que c'est vital. C'est la killer app de la Yosemite Suite. Continuity, de pouvoir garder son environnement du Mac, le retrouver sur l'iPad et l'iPhone, pouvoir répondre à un coup de fil sur le Mac à partir de l'iPad et de l'iPhone. Si le Bluetooth ou le Wi-Fi ne se connectent pas, ça fait des ordres, c'est sûr. Voilà. Et impossibilité. Tu en perds ton oreillette, dis-donc. C'est ça. Ouais. Impossibilité de passer du mode portrait au mode paysage. Sur l'iPhone 6 Plus, on a vu ce bug qui visiblement est très très récurrent quand même, ce qui est un petit peu embêtant, vu que c'est quand même une nouveauté qui est vachement mise en avant par Apple sur son site. Des plantages beaucoup plus fréquents des applications. Ouais. Des freezes plus fréquents, des crashs, donc là. Des crashs et des reboots inopinés de l'OS. Ça, c'est très sympathique aussi. Ouais. Alors, est-ce que, messieurs, du côté de Monsieur X et du côté de Julien Clubier, est-ce qu'effectivement, vous avez été victime de cet inventaire à l'après-verre qui nous fait mal ici à On refait le Mac à ORLM. On va commencer peut-être par Monsieur X. Bah, écoute, moi, en définitive, je n'ai eu qu'un seul vrai problème avec iOS 8 qui m'a gêné, ça a été la mise à jour. Bah, c'est déjà pas mal. Ouais, elle a duré moins de 3 heures ou plus de 4 heures? Non, elle a été rapide, très sincèrement. Ah. Mais bon, je lui ai trouvé quand même deux défauts pas habituels chez Apple. Premier défaut, j'ai été obligé pour finir mes mises à jour et qu'elles soient satisfaisantes, de restaurer mon iPad et mon iPhone, tout simplement parce que les données qui étaient synchronisées avec iTunes après mise à jour par iOS 8 ne correspondaient pas en fait à ce que je demandais à iTunes d'envoyer sur mon iPhone et mon iPad. Donc ça, c'est un peu gênant parce que moi, je suis un utilisateur relativement avancé, je peux le faire. Monsieur, madame, tout le monde, c'est plus problématique. Et donc, je me retrouvais sur mon iPhone 64Go avec, par exemple, 19Go de données inconnues, ce qui est quand même juste du grand n'importe quoi. Oui, donc ça, c'est la première chose. Et puis, le deuxième effet dans cette installation non désirable, et ça, c'est un peu une limitation aussi dont on n'avait pas l'habitude, c'est que j'ai pu la faire over the air, donc à travers le Wi-Fi pour mon iPhone, mais pas pour mon iPad. Et pourtant, j'avais l'espace libre requis sur l'iPad. J'ai été obligé de brancher mon iPad à l'ancienne sur mon Mac, de télécharger la mise à jour et après de le faire. Ceci passé, comme j'ai pas eu le temps de faire la mise à jour ensuite iOS 8.0.1, tellement qu'elle a marché, tellement qu'ils l'ont retiré vite, je n'ai pas eu de problème. Mais cette installation, d'un point de vue qualitatif, a été très en deçà de ce qui s'est passé. Je finis juste. Après, je pense que sur les mises à jour, on n'est pas égaux. C'est-à-dire que les gens qui, comme moi, ont un iPhone 5S, ça se passe assez bien. Les générations précédentes, c'est peut-être un petit peu plus difficile parce que l'OS est gourmand et on a ces effets que Paul commençait à mentionner, ralentissement. Mais comme disait Vardarland dans Palace, salut les pauvres, achetez-vous un iPhone 5S ou un iPhone 6, c'est fait pour ça les mises à jour d'iOS 8. Concrètement, historiquement, tu trouves que le passage à iOS 8 s'est fait plus dans la douleur que les années précédentes, Monsieur X? Oui, c'est fait un petit peu plus dans la douleur maintenant. Souvenons-nous d'iOS 6, notamment. Oui, je mets quand même un 7 sur 10 chez Apple. C'est quand même une très bonne note, 7 sur 10. C'est gentil, quoi. Ouais. Monsieur X a travaillé à l'école des fans avant de venir à cette émission. Non, mais c'est les seuls à être capables de dire tel jour, à telle heure, la nouvelle version d'iOS est disponible pour tous au téléchargement. Et disponible. Et les serveurs Il me semble que cette année, en tout cas moi pour ma part, lorsque j'ai fait la mise à jour en iOS 8, pour la première fois j'ai découvert un système de queuing, c'est-à-dire quand j'ai demandé la mise à jour over the air, on m'a mis en attente, quoi. Finalement j'étais en attente et la mise à jour a démarré bien plus tard. Le téléchargement comme dans un Apple Store. Donc ça, je ne sais pas, c'est quelque chose de nouveau le queuing sur les mises à jour chez Apple? Non, mais c'est simplement parce que la base installée grandit et qu'Apple peut-être supporte trop d'anciens modèles, mais la mise à jour doit concerner plusieurs centaines de millions d'iPad et d'iPhone au global, et distribuer ça simultanément, c'est un défi, je ne sais pas qui est capable de le relever. Donc le queuing vient avec la base installée, je pense, et ça, on ne peut pas trop s'en défaire. Maintenant, moi j'ai attendu aussi, mais j'ai attendu, allez, une grosse demi-heure. Donc, pour ce qui me concerne, je voudrais quand même revenir sur mon expérience. Donc, c'était sur un 5S. Donc, je note que tu as un iPhone. Il y a eu le queuing, le téléchargement très lent. Une fois que finalement la ROM a été téléchargée, il y a eu plus de 25 minutes d'attente entre les différents redémarrages du téléphone. Douce. Ce que je trouve quand même très très long. Il y a des réflexes, la ROM. Je ne sais pas, c'est quoi, c'est une ROM de... C'est peut-être l'image d'iOS 8, si tu veux. Voilà. Non, mais ils ont changé d'infrastructure aussi, hein. C'est pour ça que c'était plus lent.
C'était leur propre serveur, ils sont pas passés par les serveurs habituels. On a vécu, habituel. Souvenez-vous, durement lors du direct de Refait le Mac, lorsqu'on essayait de se brancher sur le live, hein, tous les serveurs d'Apple ont eu quelques soucis déjà en amont. Hein. On a fini par faire des dessins sur l'écran. Oui, ça c'est très doué. Continue Julien. Et après, pour finir dans les petites choses qui m'ont agacé après ces étapes de mise à jour, je me suis retrouvé avec iTunes Match qui s'est activé comme par magie sur mon iPhone et qui m'a viré toute ma musique. Bah oui. Mais non. Je l'ai toujours désactivé parce que je ne veux pas sur mon iPhone. Et pourquoi la musique là-haut, monsieur, ça. Il faut vivre avec son temps. Oui, bien sûr. Donc, il y a des photos de stars nues gratos. Bah ouais. Je n'ai plus de musique sur mon iPhone. Ouais. Je le resynchronise. Et l'autre souci également, mais alors là, c'est it's not a bug, it's a feature. C'est la disparition du camera roll, c'est-à-dire la pellicule dans l'app photo. Ce qui fait que pour retrouver rapidement ces anciennes photos, c'est quand même une vraie galère si, comme moi, vous n'avez pas créé des albums. Mais tu n'as pas un CD avec tes photos ? Tu n'as pas un CD photo ? Non. On va arrêter. Non, plus sérieusement, Julien, qu'est-ce que finalement tout ça, hein, ces difficultés rencontrées, ce manque peut-être de fiabilité, hein, dirons-nous, d'Apple, et au-delà, les bugs qu'il y a eu, parfois graves, puisque certains téléphones ne pouvaient plus téléphoner, ce qui est quand même le comble suite à une mise à jour, ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, peut-être, iOS 8 a le plus faible taux d'adoption de toute l'histoire de l'historique d'iOS. Je ne me trompe pas. Tu te trompes. Bah, vas-y, C'est bien plus faible que celui d'iOS 7, mais ouais, c'est énormément, mais pas de toute l'histoire d'iOS. Ah, bah, d'accord. Alors, la première fois, c'est beaucoup plus lent que ce à quoi on s'était habitué depuis un ou deux ans. Quoi. Ouais, c'est assez lent. Mais on a quelques chiffres, je crois, Paul. Je ne suis pas sûr qu'on puisse l'attribuer au bug en vérité. Et d'ailleurs, même si ces bugs sont énervants. Ça va quand même du simple au double. Hein, 47% des appareils sont sous iOS 8 aujourd'hui contre près de 80% l'année dernière pour iOS 7 à la même période. De l'OS, et peut-être qu'effectivement, pour iOS 7, il y avait un vrai effet de curiosité, d'envie, d'attraire la nouveauté. Mmh. Alors que iOS 8, excusez-moi, mais là, c'est vraiment. Enfin, moi, les fonctionnalités que je trouve très intéressantes dans iOS 8, c'est tout ce qui est les API pour les développeurs et qui, pour l'instant, ne sont pas exploitées, mais les fonctionnalités end-user pour l'utilisateur final, les bénéfices, j'en vois pas des masses. Continuity, effectivement, si on a un Mac, le reste me motive pas à me précipiter sur cette release, quoi. Ouais, tu avais noté pour la préparation de cette émission l'arrêt de l'iPhone 4 également, ça a joué un rôle. Ah bah, vu que l'iPhone 4 représente encore, je sais pas, ils ont eu 200 millions d'appareils, peut-être pas, mais disons que l'iPhone 4 est sûrement le modèle le plus répandu qu'on trouve encore aujourd'hui. D'ailleurs, on en croise énormément dans la rue. Peut-être même bien plus que des 4S, 5, 5S ou 6, ce qui est normal. Mais donc, du coup, arrêter le support d'un téléphone qui a été extrêmement populaire, qui a été vendu quasiment 4 ans dans certains pays, évidemment, c'était sûr que du coup, on allait perdre une... Oui, voilà, c'est sûr qu'il y a au moins 15% de la base installée iOS qui ne passe pas sous iOS 8. Dernière question pour iOS avant de passer à Windows. Monsieur X, je me tourne vers vous, crac, comme ça, voilà, c'est magique. Est-ce que, selon vous, le passage à iOS 8, la mise à jour à iOS 8 est ratée de la part d'Apple, ils ont raté le lancement. Eh ben, écoute, à ce stade, je vais te dire oui, elle est ratée, mais ils ont un moyen de se rattraper. Et moi, je fais l'hypothèse qu'en fait... C'est fait exprès, ils ont fait exprès de rater. non. Mais je fais l'hypothèse qu'Apple n'a pas encore appuyé sur l'accélérateur. Pourquoi ? Si tu fais ta mise à jour iOS 8 sur ton iPhone, et que tu ne fais pas sur ton Mac la mise à jour Yosemite, puisque Yosemite n'est disponible qu'en version bêta, tu te retrouves avec un décalage fonctionnel. Je vais en citer deux qui peuvent être perturbants. Le premier, c'est iCloud. iCloud n'a pas les mêmes fonctionnalités entre iOS et Yosemite. Et donc, on te dit quand tu lances ou quand tu veux paramétrer iCloud depuis ton Mac, ah zut, si vous voulez continuer à bénéficier des fonctionnalités d'iCloud, puisque vous avez mis à jour votre iPhone, il faut passer sur Yosemite. Oui, mais Yosemite n'est pas disponible, et moi je ne le fais pas parce que je n'installe pas les bêtas sur ma machine de travail. Première chose. Deuxième exemple, qui est perturbant uniquement pour moi peut-être, mais je pense aussi pour d'autres, iOS 8. Alors, it's not a feature, it's a decision, dirait Apple. Ouais, c'est qu'ils ont fait du nettoyage. Et le nettoyage le plus symbolique, c'est qu'ils ont viré iPhoto depuis iOS. Avant, on avait deux applications sur iOS. Sacrilège. Photo au pluriel, et puis iPhoto. Avec la mise à jour iOS 8, il n'y a plus d'iPhoto. Par contre, on conserve iPhoto sur le Mac, alors qu'on sait qu'avec Yosemite, iPhoto va aussi disparaître sur le Mac pour être remplacé par...
photo. Donc, il y a encore une désynchronisation sur des fonctions clés en termes d'usage, le cloud, la photographie entre iOS 8 et Yosemite. Donc, Apple va vraiment être prêt quand Yosemite va être là à la fin du mois. Et là, je pense qu'on va avoir un push très très fort d'Apple. En attendant, je pense qu'ils sont pas trop pressés et que les mises à jour d'iOS 8 ne sont faites qu'à destination des possesseurs d'iPhone 6 et qui sont focalisés peut-être à aider les développeurs à mettre à jour leurs apps, parce que là, il y a vraiment du boulot. Je citerai l'application Nike Running, qui n'est plus fonctionnelle depuis iOS 8, ce qui est bien chiant. Merci Monsieur X. On va parler enfin du thème principal de cette émission, à savoir la perspective de l'arrivée prochaine de Windows 10, le nouveau système d'exploitation de Microsoft. Je me tourne tout de suite vers Julien Jay, à savoir notre spécialiste de Windows. Première question, Julien, est-ce qu'il y avait urgence à mettre à jour Windows 8. Est-ce qu'on peut tirer déjà un premier bilan Windows 8 qui a été beaucoup décrié dans la communauté des utilisateurs Il y a urgence à mettre à jour Windows 8 depuis la première bêta en fait de Windows 8, donc c'est un travail. Si tu viens ta quinte aussi, on ne s'en sort pas ce soir, mais vas-y. Non, mais c'est la réalité. Le problème, c'est que Microsoft a cru avoir la science infuse et pouvoir imposer plutôt à tout un chacun un OS dont les fondamentaux même en termes d'ergonomie sont en contradiction totale avec le bon sens. Et finalement, trois ans plus tard, personne n'en veut. Alors oui, bien sûr, il y a une vision sur les tablettes, bien sûr, l'interface Metro marche plutôt pas mal. Bien sûr, ce qui a été initié par Windows Phone en termes d'interface Metro, c'est assez sympa. Et j'attends toujours d'avoir des icônes animées sur le springboard de mon iPhone avec des trucs autrement plus intéressants que l'horloge qui décompte les heures, les minutes et les secondes. Donc, il y a des bonnes idées chez Microsoft, mais le problème... On trouve l'inspiration comme on peut chez Microsoft. Non, il était là avant pour le coup. La base d'utilisateur principal pour Windows, ça reste quand même, qu'on le veuille ou non, même si le marché est en déclin, ça reste les PC avec une souris et un clavier. Alors, et quand avec une souris et un clavier, on perd tous ses repères et on ne sait plus utiliser un Windows qu'on utilise de la même façon depuis 1995, c'est un problème. C'est alors, fou, hein. Ceci alors, étant... Tu es en train de dire quoi, Julien, que l'approche a été trop radicale à part de Microsoft, tu l'as décrit, de vouloir imposer un modèle de PC tactile par défaut, alors qu'historiquement, Windows, c'est la souris et l'écran et le bureau du PC. Ce qui a été fait avec Windows 8, en fait, ça aurait dû être un SKU, c'est-à-dire une version spéciale de Windows 8, tablette édition, destinée aux tablettes, destinée aux hybrides, aux deux en un, on leur donne le nom qu'on veut, et il y aurait dû avoir un Windows 8 Pro sur lequel, effectivement, on avait un menu démarré, sur lequel on n'avait pas de métro, sur lequel on n'avait pas de licorne, ni d'arc-en-ciel, ni d'éléphant en tutu rose. C'est très joli, mais au quotidien, ça ne sert à rien. Et ça, ces critiques, elles ont été formulées dès le départ, mais sauf que la personne qui était en charge à l'époque du développement de Windows, c'était Steven Sinofsky, qui est parti, rappelez-vous, deux mois après le lancement commercial, ou deux semaines, je ne sais plus, enfin très très rapidement. Ça a fait désordre. Ne voulait pas l'entendre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque de Windows 8, il n'y a pas eu de programme de test bêta. Autrefois, on appelait ça chez Microsoft des bêta tests, tout simplement. Ils se sont arrêtés avec Windows 7. Avec Windows 8, il n'y en a pas eu. Il y a juste eu des consumer previews. Mais aucune collecte de feedback auprès des utilisateurs. Effectivement, il valait mieux parce qu'on savait déjà quel allait être leur feedback. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Windows 10, la collecte de feedback a repris puisque le programme de test de Windows 10 permet à tout à chacun de donner son feedback sur des fonctions, sur des bugs, sur des attentes qui ne sont pas satisfaites. Avec surtout en proposant une transition aussi rude à ces utilisateurs historiques. Un bref mot, Monsieur X, j'insiste, un bref mot, Monsieur X, sur justement ce passage douloureux de Windows 7 à Windows 8 et qui nécessite aujourd'hui une mise à jour importante. Quel regard vous portez là-dessus? On sait que chez Apple, on n'a pas fait ces choix-là, avec deux environnements bien différents, celui de la tablette et celui du Mac, on va en parler en fin d'émission. Votre avis, vous avez travaillé vous aussi dans le monde PC du côté obscur de la force autrefois sans trop dénoncer. Non, mais enfin, il n'y a pas grand chose à rajouter à l'analyse de Julien. Je pense que ce qui a donné le coup de grâce et qui nous amène à Windows 8, c'est que. 10. Un des... Oui, 10, Windows 10. J'y arrive pas non plus. Ouais. C'est un des vecteurs d'adoption qui est absolument critique pour Microsoft en termes de chiffre d'affaires et surtout de marge, c'est l'entreprise.
Microsoft pouvait éventuellement sur Windows et Office avoir des succès mitigés ou un peu plus longs que prévu avec le grand public, mais pas l'entreprise, parce que c'est là la force de Microsoft. Ça va chaler. Voilà, la vache à lait, avec un marketing qui est, tu l'utilises au bureau, donc tu l'utiliseras à la maison. Oui, mais les gens ne l'ont pas vraiment utilisé chez eux, c'est ce qu'expliquait Julien en termes d'usage, mais surtout, En entreprise, Windows 8 est interdit de séjour en entreprise. Hein. Moi, je ne connais une grande entreprise en France qui ait adopté Windows 8, et là, c'est un échec total et patent. Et donc, en plus, ça les a freinés dans l'adoption au domicile chez les particuliers, mais c'est surtout un mur qui fait que s'ils ne rectifient pas le tir, il n'y aura pas de mise à jour des bases installées en entreprise, et ça c'est le cœur du chiffre d'affaires de Microsoft qui est en cause. Il suffisait de rendre l'interface débrayable, simplement, et c'est je pense là qu'ils se sont arc-boutés, qu'ils n'ont jamais voulu le faire, et en disant à un moment, Windows XP c'est fini, et il y a eu un divorce entre Microsoft et ses clients pro. D'ailleurs, pour refléter un petit peu cette morosité autour de Windows 8, le mot est faible, il n'y a pas vraiment beaucoup de chiffres sur la base installée, Julien, brièvement. On a su très rapidement que Microsoft avait vendu plus de 100 millions de licences. Ouais. Et cette communication s'est très vite arrêtée sur le nombre de licences vendues. D'ailleurs, on ne sait même pas si le chiffre de... Enfin, on ne sait pas ce qu'il y a derrière le chiffre de 100 millions, ni d'ailleurs s'il est corroboré aujourd'hui. Sur les market share, là, les derniers rapports de part de marché, en tout cas des OS... Le net market share, oui. De Windows, on est, je crois, à 5% pour 5, quelque chose pour cent pour Windows 8, 5 autres, quelque chose pour cent pour 8.1, et on va avoir un Windows 7 qui est à 51%. Ouais, c'est considérable. Et un Windows XP qui est à 24%. Donc, ces chiffres net market share, c'est pas une valeur d'évangile non plus, mais je pense qu'ils sont assez significatifs. Symptomatiques. Et effectivement, en entreprise, moi, je me souviens d'un moment assez marquant. C'est Microsoft Europe qui a pris sous son aile, en pré-lancement de Windows 8, l'initiative de faire une conférence au CeBIT, une conférence de presse pour expliquer les nouvelles fonctionnalités entreprises de Windows 8. Ils ont fait ça le comble. Vraiment, la salle était comble. Par contre, personne n'est ressorti convaincu parce que les fonctionnalités pensées pour l'entreprise, il y en avait bien quelques-unes, mais le principal problème, c'était et ça reste l'interface et donc la courbe d'apprentissage de l'OS qui n'était pas adressée par cette version. Alors Julien, concrètement, est-ce que Microsoft a entendu ses nombreux utilisateurs, notamment ceux de l'entreprise? Quelles sont les grandes avancées de Windows 10, du moins ce qu'on a pu entreapercevoir la semaine dernière dans la présentation qu'a fait Microsoft? Notamment en termes d'interface, il y a de belles avancées. Et je dirais même, tout simplement, c'est le retour du menu démarrer. Il y a plusieurs choses. Moi, ce que j'ai envie de dire, la première chose, c'est en termes de cadence, ce qui est important de noter, c'est que Windows 10 va sortir en 2015. C'est peu ou prou 3 ans après Windows 8. Donc, c'est une cadence normale, finalement, chez Microsoft, hors époque Vista. Premier point. Deuxième point, dans ce qui a été montré par Microsoft, c'est toujours la vision One Windows. Alors One Windows, ça veut dire un Windows pour plusieurs plateformes, smartphone, tablette, PC, mais pas, attention et c'est important, pas les objets connectés qui, eux, vont dépendre de Windows IoT, qui certes a un cœur commun, mais qui n'est pas comparable avec Windows 10. C'est-à-dire qu'on ait un PC, une tablette ou un téléphone, il y a toujours cette vision unique. Tout à fait, tout à fait. Cette vision unique avec les Universal Apps qui devraient, normalement, mais ça, il n'y a pas eu d'autres annonces, si ce n'est de dire que dans le Windows Store, les applications métro allaient devenir des Universal Apps qui devraient fonctionner à la fois sur smartphone, sur tablette, sur PC et même sur Xbox. Alors, Julien, on voit derrière... Je peux aborder l'interface si... Oui, on voit derrière Paul, dans ce magnifique écran de Smart Technology, merci à eux, la nouvelle interface de Windows 10, notamment, ça, c'est ce qui arrive par défaut concrètement lorsqu'on démarre sur un PC, il n'y a plus l'interface tactile qui est imposée par défaut. Non. Mais c'était ce qui avait déjà disparu avec 8 points. Ouais. Ce menu démarrer, il s'appelle menu démarrer. C'est important quand même de dire qu'il n'a pas toutes les fonctionnalités, loin s'en faut, de l'ancien menu démarrer de Windows 7.
Donc là encore, Microsoft a fait quelque chose d'hybride qui est un compromis. Honnêtement, je ne sais pas s'il est bon ou mauvais. En tout cas, il a l'avantage de répondre à la problématique d'avoir besoin d'un menu démarré. Et sur cette colonne de droite qu'on voit derrière Paul, on a effectivement les fameuses tuiles animées qui sont les applications anciennement Metro, nouvellement Universal Apps, voilà. Alors, c'est qui donnent quelques informations. Et ce qui est très important, c'est également le retour du cadre de recherche, puisque dans Windows 8, la recherche était quand même très très bien cachée. Et là, on a effectivement directement accessible depuis le menu démarré la fonction recherche. Ouais, donc là, on voit qu'ils essaient de marier dans ce menu de démarrer à la fois les historiques avec les fonctions de base qu'on retrouve à l'origine et à la fois les tuiles qui étaient la force de Windows Exactement. 8 qu'on retrouve au sein de cet environnement, au sein du menu démarrer lorsque vous démarrez sur votre PC. Alors, essayons de faire un parallèle avec OS X Paul. Ça rappelle quelque part un petit peu le concept du centre de notification à l'opposé en haut à droite de Yosemite qui devrait arriver bientôt. Mais on ne va pas aussi loin. Non, on ne va pas aussi loin, mais c'est ce qui aurait pu arriver au Mac si Apple avait décidé, par exemple, de mettre un centre de contrôle à la place du menu pomme, par exemple. Mais c'est une approche qui est très en phase avec ce qu'avait fait Microsoft auparavant, et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'au final, c'est peut-être un peu plus puissant que le centre de notification de Yosemite, parce que ça permet d'accéder à des applications peut-être plus complètes. Les tuiles sont... Je trouve ça assez sympathique, mais c'est peut-être un peu chargé d'avoir... ça prend quand même une bonne partie de l'écran. Moi, j'ai essayé Windows 10 sur un PC qui est assez... un petit écran. C'est vrai que ça prend une bonne part de l'écran. La difficulté, monsieur X, on l'aura bien compris, pour Windows et pour Microsoft, les gens du marketing, c'est de faire comment passer d'un univers, j'y suis arrivé, de tuiles à un univers classique de fenêtres. Ça vous semble le bon chemin? Vous disiez, lorsqu'on avait fait l'émission, souvenez-vous, sur Windows 8, il y a trois ans avec Julien, que pour un marketeur comme vous, c'était compliqué à vendre, Windows 8. Oui, parce que ça ne s'adresse pas... C'est pas péjoratif, marketeur. Madame... Oui, ça ne s'adresse pas à monsieur et madame tout le monde. C'est une interface... ou une innovation, comme on dit, en rupture. C'est pour ça que moi, je louais l'initiative de Microsoft, qui est, avec cette interface, une des grosses avancées en termes d'expérience client de ces dernières années. Malheureusement, ils ont eu un rejet de leur base installée. Bon, ils auraient dû être peut-être un peu plus prudents, mais je crois que Microsoft tient le bon bout. Cette version de Windows 10, qui est un compromis, comme le dit Julien, est pas parfaite, mais ça va aller dans le bon sens. Ça va permettre l'adoption. Maintenant, ça va être un travail de longue haleine, mais je pense qu'ils tiennent le bon bout parce que Microsoft a quand même gagné quelque chose là-dedans. Je pense une image de marque un peu renouvelée en termes d'innovation. Bravo à eux vis-à-vis du grand public. Mmh. Et puis, c'est eux qui ont matérialisé tout ce qu'on a appelé le design plat, le flat design, dont s'inspire aujourd'hui Apple beaucoup. Et Google, il ne faut pas l'oublier, ils viennent de sortir leurs nouvelles recommandations pour leurs développeurs pour faire les applications dites universelles qui vont en même temps sur iOS et sur Android et qui s'appellent Material. Mmh. Et cet ensemble de lignes de conduite de développement qui est très, entre guillemets, flat design. Sans déconner, monsieur X. Et dans la continuité de cette graine là qu'a planté Microsoft avec Windows 8. Ils sont pas payés, mais pour une fois, Microsoft sera loué pour courageux, ses capacités à innover et pas ses capacités à faire du pognon. Encore bravo. Ça me rappelle Microsoft, Apple dans les années 80, monsieur X. Absolument. Le truc qu'il faut qu'ils fixent, c'est qu'il faut que les entreprises achètent cette prochaine version. Autrement, ils vont avoir un gros pépin. Alors, je voudrais rajouter deux choses. Il va falloir conclure là-dessus, mais vas-y vite, Julien. Je vais essayer d'être rapide. La première chose, c'est que l'événement de présentation de Windows 10 était réservé et destiné aux entreprises. C'était Windows 10 for Business, ce qui montre bien que Microsoft voulait parler aux entreprises. Et d'ailleurs, dans cette technical preview de Windows 10, il n'y a aucune nouvelle fonctionnalité consumer, hormis finalement le menu démarrer. Vraiment, leur focus, c'était les entreprises. Et le deuxième point, qui me paraît quand même important de mentionner, c'est que ces applications Metro, Universal Apps, Modern UI, Modern Windows, comme vous voulez, ont maintenant la capacité de s'exécuter en mode fenêtré, non plus en plein écran, comme précédemment. Ce qui va permettre finalement sur le bureau de ne plus avoir ces transitions entre un environnement Metro et un environnement Windows traditionnel. Moi, ça me pose quand même une question. Si je suis développeur d'app ou de logiciel, pourquoi j'irais m'emmerder à redévelopper tout mon stack logiciel pour faire une app
moderne UI, Universal App, whatever, plutôt qu'utiliser le traditionnel Win32, puisque finalement l'application s'exécutera aux côtés des applications Win32 sans distinguo. La seule réponse, la seule raison pour le faire, c'est effectivement d'avoir une app conçue pour le tactile et pour les hybrides. C'est la seule chose. Alors, tu le disais, on a vu, il y a une grosse évolution de l'interface, un petit retour en arrière, c'est moins qu'on puisse dire, entre le menu démarrer et les fenêtres qui sont propositionnables et redimensionnables. Quelles sont les fonctionnalités que vous avez retenues à la rédaction de Clubic? Allez, je te mets sur la voie, les bureaux virtuels et les nouveaux systèmes de switch d'application. Tu peux nous en parler brièvement, parce qu'on est à la bourre. Allez. Ouais, très, très brièvement, on a un petit bouton qui permet très rapidement de voir toutes les applications qui s'exécutent. Ça remplace globalement l'ancien Alt Tab, c'est assez sympa. On a le Snap qui permet de mettre des applications côte à côte et qui peut maintenant permettre de mettre jusqu'à 4 applications côte à côte avec une prédiction soi-disant intelligente par l'OS pour occuper l'espace sur l'écran le plus intelligemment possible. On a également les bureaux virtuels qui est vraiment pas une nouveauté parce que il y avait déjà plein d'utilitaires pour le faire parce que sur puis il y avait aussi récemment il y avait OS 10 qui le fait depuis des années mais c'est pas grave. Oui, enfin bon, j'utilise OS 10 mais j'ai oublié le raccourci clavier pour activer les bureaux virtuels. Mais en tout cas effectivement c'est une fonctionnalité qui est présente sous Windows 10 qui est pas encore implémentée de la manière la plus fine je trouve mais qui est intéressante. Concrètement dans l'univers OS 10 ça reprenait les fonctionnalités de rappelez-moi le nom, j'ai déjà oublié. Mission Control, c'est ça? Ouais, pas tout à fait, il y a les fonctions de bureau virtuel. Alors pour répondre c'est le feu space, c'est ça? C'est un peu ça, mais ouais. Pour répondre à la question de Julien, pour les bureaux virtuels sur Mac maintenant c'est super flexible, un coup de 4 doigts vers le haut et puis exposé Mission Control. Faut être tactile, moi je peux pas avec le trackpad. Il y a Mission Control qui apparaît avec toutes les applications par fenêtre groupée, au-dessus il y a une barre avec les bureaux qui existent, il suffit de glisser sa souris en haut à droite, de cliquer, ça fait apparaître un bureau qu'on ferme comme une fenêtre après si on le souhaite. Donc Mission Control permettait de voir toutes les applications en éclaté, exposé permet de voir toutes les fenêtres d'une même application en éclaté, mais c'est pas tout à fait la même chose parce que OS X ne propose pas de système permettant de resizer automatiquement des fenêtres et de les mettre les unes à côté des autres pour travailler, ce qui pourrait être une très bonne idée dans le futur. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas un peu paradoxal, messieurs, au moment où on a parlé en début de cette émission d'une possible keynote, plus que sûr, la semaine prochaine chez Apple, l'arrivée des nouveaux iPads, il y a des rumeurs récurrentes d'un iPad grand format, d'un iPad Pro qui arriverait chez Apple. Il y a des rumeurs récurrentes qui arrivent également et qui disent que cet iPad Pro pourrait être un appareil hybride. Moi, j'y crois pas trop, mais bon, passons entre iOS et même, pourquoi pas, OS 10, un iPad pour travailler. En même temps, Microsoft qui revient en arrière. Alors, quelle est la bonne ligne? Vous y croyez à la fois à cette théorie? Messieurs, on commence par Monsieur X, brièvement. Écoute, moi, je me trompe régulièrement sur mes prédictions, comme tu le sais. C'est une sorte de ratatin d'en refaire le Mac. Ils ne parleraient pas de montre au dernier keynote, ils en ont parlé. Oui, demande-moi quand tu ne sais pas, voilà. Oui, c'est clair. Allez. Moi, je n'y crois pas à ce que tu viens de dire. Je pense un que iPad ça va Pro. Être basiquement un refresh de l'iPad parce que Noël arrive et il y en a besoin. La seule chose qui a bon être en annonce. Doper les ventes, hein, surtout parce qu'elles ont pris du plomb dans l'aile, les ventes d'iPad. Hein. C'est vrai. Mais c'est le marché aussi qui se tasse. Mais la seule chose qui prêcherait dans ton sens, on en a discuté un peu tous les deux déjà, c'est qu'Apple a passé un partenariat stratégique avec IBM, pour développer les ventes d'iPhone, notamment dans le monde entreprise. Et peut-être qu'IBM leur a dit, faites-nous un iPad dédié à ce marché-là, un peu moins cher en prix, et aidez-nous à vendre aussi des iPads dans les entreprises. D'accord. Pour que l'ère du post-PC devienne réalité. Ça serait la seule chose qui pencherait en faveur de ce scénario. Pour le reste, non, je pense qu'on prépare Noël chez Apple. Donc tu ne crois pas. Julien, de ton côté, on sait que Microsoft travaille beaucoup autour des Surfaces, qui sont les propres tablettes de Redmond. Tu y crois à cette rumeur d'un iPad Pro un peu plus grand, avec un écran de 12 à 13 pouces? Le jeu des prédictions, moi personnellement, l'iPad Pro, je n'y crois pas des masses. Peut-être que la semaine prochaine ou dans deux semaines, je me tromperai, mais je ne vois pas. Surtout avec un Tim Cook, en tout cas d'un iPad Pro qui serait hybride, avec un Tim Cook qui nous a dit que Surface c'était ou Windows 8, c'était un réfrigérateur et un grille-pain. J'ai un peu de mal à voir comment on pourrait avoir un iPad Pro hybride. Donc personnellement, je ne suis pas tout à fait convaincu. Convaincu, Paul, pour conclure.
Bon, je suis pas très convaincu non plus pour de la possibilité d'un hybride. Je pense que c'est pas du tout en phase avec ce qu'essaye de faire Apple de ses écosystèmes. Même les brevets de docking qu'on avait vu là, un iPad qui arrive dans un dock et ça devient un Mac. Je pense que les interfaces. C'est l'autre chose, hein. Oui, ça fait penser à la Surface carrément. Ouais. Et même PowerBook Duo si on remonte très loin. Mais je pense par contre que la rumeur d'un iPad avec un grand écran qui emprunterait à Windows 10 et à feu Windows 8 son mode multi-fenêtre, ça pour le coup j'y crois parce que c'est clair que dans iOS 8 il y avait des traces d'un mode multi-fenêtre qui est prêt pour certains appareils. Oui, ça va dans le sens de l'histoire. Et ça va dans le sens de l'histoire. Dès qu'on veut travailler, c'est vraiment indispensable. Et les utilisateurs de Windows le savent bien. Hein, et que l'iPad ne permet pas toujours de rendre ce service-là. Et il y a de plus en plus d'entreprises. Il a l'accord avec IBM, monsieur X le soulignait. Et puis, il m'est arrivé de rencontrer des décideurs hein, d'entreprises et qui utilisent des iPads au quotidien. Pourquoi ? Parce que par rapport à un PC ou un Mac, ça tombe moins en panne. Et puis, ça demande beaucoup moins de maintenance. Ça tombe tout court. Mais ça tombe tout. Oui, mais ça se casse, mais il n'y a pas de juste milieu. Voilà. Donc finalement, c'est beaucoup plus simple pour les directions informatiques. Donc ça les intéresse. Et puis surtout, accessoirement, il n'y a pas de virus hein, sur iPad. Je dis ça, je dis rien. On aura la réponse la semaine prochaine. On va essayer, messieurs, si vous voulez bien. On a 2 minutes, 3 minutes, pas plus, pour résumer l'avenir du PC. Bonne chance. Il y a beaucoup de choses qui sont passées ces dernières années autour du PC. On a assisté à une déferlante de mauvaises nouvelles du côté du PC, avec une croissance en berne, hein, on l'a dit. Windows 8 boudé, un Dell qui sort de la bourse, un Sony qui arrête de fabriquer des Vaiao, des Samsung qui jettent l'éponge en Europe. Qu'est-ce qui se passe, Julien ? Le marché du PC va mal. Le marché du PC, c'est un marché où finalement la différenciation d'un acteur à un autre est quasi impossible, si ce n'est un autocollant, voire un prix en grande surface. C'est un marché mature puisque tout le monde est équipé, multi-équipé, suréquipé. Donc c'est difficile. C'est difficile de se renouveler, c'est difficile de vendre. Et puis c'est un marché aussi où certains acteurs majeurs ont tiré dramatiquement les prix vers le bas avec des épopées netbook 1.0. Alors ils n'ont pas compris la première fois, donc ils vont nous refaire des netbook 2.0 pour bien casser les prix. Ouais. On verra ce que ça donne. C'est un marché qui va mal. Effectivement, l'annonce de HP de scinder en deux, finalement... Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est la dernière... En tout cas pour moi, c'est la dernière annonce. Hein. C'est-à-dire que HP se séparait son activité grand public, enfin de constructeur de PC et d'imprimante, de celle de tout ce qui est service, comme a pu le faire il y a une dizaine d'années IBM en vendant sa partie PC à Lenovo. Absolument. Donc ça, c'est une surprise parce que il y a deux ans, Apothecaire qui avait repris les rênes de HP a été viré finalement parce que c'est exactement ce qu'il voulait faire avec fracas. Donc finalement, deux ans plus tard, on fait la même chose. On peut se poser aussi la question du devenir d'Acer dans tout ça. Il y a beaucoup de questions qui sont ouvertes, en tout cas sur le marché du PC. Il n'y a pas forcément toutes les réponses. Ce qui est sûr, c'est que Windows 10, je pense, est attendu par tous les partenaires de Microsoft parce qu'ils ont besoin de quelque chose qui puisse se vendre facilement au grand public sans hésitation et également à l'entreprise. Ça peut aider. Voilà. La difficulté, en tout cas, une chose est sûre, hein, c'est que la difficulté aujourd'hui des constructeurs de PC, elle est la même depuis des années. Hein. Tu m'arrêtes, Julien, si je dis des bêtises. C'est un problème de différenciation, on le sait. Les constructeurs de PC, pour la plupart, proposent la même qualité de fabrication à peu près, qui est très bonne d'ailleurs pour la plupart de leurs ordinateurs. Et ce qui les différencie, ben, ce n'est pas forcément évident parce qu'ils ont tous le même système d'exploitation. Donc la balle, elle est dans le camp de Microsoft parce que c'est lui qui a récolté les fruits de cette politique. Et aujourd'hui, peut-être qu'ils en payent le prix. Ah bah, en tout cas, aujourd'hui, je pense que les partenaires de Microsoft, très vite à la sortie de Windows 8, ont tapé du poing sur la table. Hein. On se souvient. Il faut changer de modèle, en clair. Je t'ai pas entendu, pardon. Il faut changer de modèle, en clair. Oui, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Windows 8 n'a pas été fait pour faire vendre des PC à Acer et compagnie, et que l'initiative de Microsoft de vendre ses propres tablettes, donc en l'occurrence les Surface, a été perçue par l'ensemble des partenaires de Microsoft comme une agression, une insulte, quelque chose d'innommable. Ça a joué également, ouais. Et on sait toujours pas d'ailleurs si l'option est toujours sur la table de savoir si un jour Microsoft va sortir un ordinateur portable baptisé sur Facebook, par exemple. Mmh. Et ça ferait beaucoup de mal aujourd'hui, je pense, à un Acer, à un Dell, à un HP, etc. Mmh. Donc Microsoft détient en tout cas une partie des réponses, tout comme Intel d'ailleurs.
pour conclure, et on me dit en régie qu'on a perdu Monsieur X, ben on le salue, on le retrouve la semaine prochaine pour ses coups de cœur. On parlait de différenciation et difficultés du monde Windows, des constructeurs à se différencier parce qu'ils proposent tous le même système d'exploitation. Est-ce que le même modèle peut se dupliquer dans la plateforme Android, surtout qu'on a vu Paul récemment, Samsung annoncer des résultats un petit peu difficiles avec des profits en nette baisse. Oui, en fait, depuis un an, les profits de Samsung ont clairement baissé. Là, au dernier trimestre, ça a été la chute vertigineuse puisqu'ils ont perdu 24% de leurs profits. Ils sont passés de 52 à 47 milliards. C'est assez étonnant. La bourse n'a pas... Les grosses nouveautés qui ont été introduites entre-temps. Notamment oui, mais elles n'ont pas encore été mises sur le marché. En fait, là, ce qu'on voit, c'est le Galaxy S5 qui n'a pas aussi bien marché qu'espéré. Ils espèrent profondément que le Galaxy Note 4 et le Galaxy Alpha, le nouvel iPhone killer de chez Samsung, puissent inverser la tendance. Parce que Samsung est attaqué sur tous les fronts. D'un côté, il y a Xiaomi, Huawei, chez les Chinois qui attaquent le bas de gamme, et Apple qui est sur le haut de gamme. C'est-à-dire, en clair, Julien, aujourd'hui, concrètement, Samsung subit ce qu'a vécu les Compaq et les HP il y a une quinzaine d'années, lorsque les Taïwanais sont arrivés et ont cassé les prix et proposé, grosso modo, des PC d'aussi bonne qualité, mais pour un prix bien inférieur, avec le même système d'exploitation. Ça nous rappelle quelque chose. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le bas de gamme est totalement phagocyté et que pour faire des profits sur le bas de gamme, je serais bien en peine de vous expliquer comment, parce que tout le monde a le même matériel, tout le monde a le même OS quasiment, et tout le monde se bat sur des prix absolument où il n'y a pas de marge. Donc c'est difficile. Et ils ont une vraie difficulté à monter en gamme, au-delà, Julien, justifier des prix élevés. Hein, en gamme parce que on sait, hein, certains téléphones chinois sont carrément subventionnés en Chine, hein, pour être vendus à des prix canons, à 250 $, et ils ont les mêmes specs peu ou prou que les meilleurs téléphones Android qui sont produits en Corée ou ailleurs. Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des problèmes de Samsung, moi je pense qu'ils ont une gamme qui est illisible, il y a beaucoup trop de produits, il y a des produits qui sont annoncés, montrés, qui font beaucoup de tapage, typiquement le Edge, sur lequel on nous dit après, finalement on va pas en vendre, ou on va les vendre que dans tel pays, ou etc. C'est compliqué, mais ce qui est certain, c'est que je ne vois pas comment se différencier facilement quand on fait du smartphone Android, entre un Xiaomi, un Huawei, un HTC, un Samsung. C'est dur, surtout sur les segments de prix qui sont visés, et effectivement avec des Chinois, des nouveaux entrants, qui font des trucs dont Samsung pourrait s'inspirer. Alors c'est à la fois une bonne nouvelle, Julien, pour Apple, puisque eux, ils se différencient outre par le design, on l'a dit, par le système d'exploitation, donc a priori ils sont le seul. Donc tant qu'ils arriveront à proposer une valeur ajoutée par rapport à ce que fait Android, ils pourront justifier des prix plus élevés, hein, dirons-nous. Et puis c'est peut-être aussi une bonne nouvelle pour Windows. Et Windows Phone, on ne sait pas s'il s'appellera comme ça, puisque là, effectivement, un constructeur, s'il passe sur Windows Phone, il a une vraie capacité à se différencier par rapport au monde Android et à justifier peut-être une approche un peu différente. Encore faut-il valoriser le système d'exploitation et lui trouver une vraie valeur ajoutée, Julien. Je pense qu'en tout cas en Europe, on voit bien que Windows Phone est très bien reçu par les consommateurs qui trouvent l'OS super sympa et ça se vend en Europe. Donc je pense que de ce côté-là, c'est plutôt pari gagné pour Microsoft. La vraie difficulté pour Microsoft, c'est l'écosystème. Il n'y a rien autour finalement, sorti des quelques applications phares ou pour lesquelles Microsoft a sorti le chéquier, on ne trouve pas grand-chose et très vite, c'est limitant, alors que évidemment sous Android, on n'a pas ce problème. Donc, en tout cas, Microsoft a réussi à séduire les utilisateurs sur la partie Windows Phone, pour ma part, en tout cas. Ouais, c'est sympa comme OS. Bien, et ce sera le mot de la fin, et peut-être même le mot de la fin, c'est que les places en matière de nouvelles technologies ne sont jamais acquises. On le voit régulièrement, donc voilà, les cartes sont redistribuées très régulièrement. Il ne faut pas rater les virages technologiques, les trains qui passent, et si on le rate, eh bien, c'est un cycle qu'on rate pour quelques années. Microsoft est en train de le vivre, on va voir s'il va pouvoir rattraper son retard, notamment sur le mobile. L'heure est venue, messieurs, de passer à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Julien Jay. Ouais, alors moi aujourd'hui j'ai un coup de cœur qui n'est pas un smartphone, même si très bientôt sur Clubic je fais mon placement de produit, vous allez retrouver, ou même il est peut-être déjà en ligne à l'heure où je vous parle, un comparatif des smartphones low cost chinois, ce qui vous permettra justement de vous faire une idée par rapport au sujet que nous évoquions, à savoir si les smartphones low cost chinois sont meilleurs que les Samsung. Eh bien, la réponse est oui. Merci, au revoir. Voilà, non, lisez l'article quand même, ça sera sympa. Pour le coup de cœur, ça sera une app. Une app
d'un constructeur, NAP Logitech, le Logitech Arx Control. L'idée, c'est simple. Si vous avez un périphérique gamer de Logitech, une souris, un casque, un clavier assez récent, oui, c'est vous avez une joue sur PC. C'est une chose qu'on ne connaît pas trop. Mais nous aussi, on peut. Sur PC, on joue. On essaye, nous. On essaye, je rigole. Parce que sur Mac, il n'y a un peu que les Sims de disponibles quand même. On va se calmer, allez. Non, sur donc avec cette app qui impose effectivement d'avoir un périphérique Logitech Gamer, mais typiquement avec un clavier G19 assez ancien, ça fonctionne. On retrouve sur son smartphone Apple ou Android un écran déporté qui va nous donner plus ou moins d'informations en fonction du périphérique et tout un tas d'informations sur également le PC, c'est-à-dire effectivement la température, l'utilisation des cœurs, l'utilisation de la carte graphique, plein de trucs super cool pour qu'ils parlent vachement bien en geek comme moi. Je vous invite à l'essayer, c'est gratuit et ça marche avec vos périphériques Logitech existants. Ah, merci Julien, tu nous donnes presque envie de switcher du côté du monde de PC. De ton côté, un jour j'y arriverai. Ah, oui. De ton côté, Paul, quel est ton coup de cœur cette semaine? Un moment de coup de cœur aujourd'hui, c'est ce qu'on voit derrière là, c'est un Jet Drive Lite. C'est en fait ces petites cartes SD coupées à la taille des slots SD du Mac. Vous savez, quand on met une carte SD dans un Mac, elle dépasse toujours d'un centimètre. Ouais. Là, c'est fait pour ne pas dépasser et c'est fait pour ajouter du stockage à votre Mac. Ça va, c'est en 64 ou 128 gigaoctets. Bah, les prix sont. Ça, moi, regarde, t'as un Nifty Mini Drive, c'est pas pareil. Ouais, bon, et là, ouais, les prix sont canon puisque pour 34 euros, t'as 64 gigas et pour 128 et 128 gigas pour 75 euros. Donc, t'as un deuxième disque dur dans ton MacBook Air, en gros. C'est ça. Et visiblement, en plus, ça n'impacte pas du tout la batterie puisque la carte SD est fournie avec un petit utilitaire qui la démonte avant de mettre le Mac en veille. Ça a l'air vraiment pas mal. Ça s'appelle, tu as dit ? Un Jet Drive Lite. C'était juste pour savoir s'il avait retenu le nom, parce qu'il a quelques soucis en ce moment. Voilà, de mon côté. Ah, sympa. Mon côté, le coup de cœur, c'est du côté de la voiture. C'est le salon de l'auto en ce moment, le monde est l'automobile à la porte de Versailles. Il y a eu un petit événement cette semaine, à savoir l'arrivée du premier autoradio compatible CarPlay. Et non, vous n'êtes pas obligé de changer de voiture et de vous acheter une Mercedes, une Ferrari ou une Volvo pour pouvoir avoir le CarPlay dans votre auto. Si vous achetez le dernier autoradio de ces pionniers, à savoir le SPHDA 120 à vos souhaits, vous retrouvez tout l'univers CarPlay identique à celui que vous retrouvez dans les véhicules des grandes marques. Voilà, c'est une sorte de centrale multimédia qui vous permet d'avoir déporté sur votre autoradio toutes les principales fonctionnalités de votre iPhone. C'est disponible, ça coûte 429 euros. Il y a d'autres modèles aussi qui sont compatibles. Sachez même qu'il y a des modèles qui ont été déjà vendus il y a quelques mois et qui peuvent être mis à jour par une simple mise à jour gratuite pour les transformer en CarPlay, le SPHDA 120. Deux pionniers. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On est déjà au 174e épisode de Renfait le Mac. Vous retrouvez chaque semaine, chaque jour sur Clubic Julien G avec des articles passionnants, mais pas seulement sur Windows. Donc tu l'as dit, retrouvez le comparatif cette semaine sur les constructeurs chinois. Ont-ils rattrapé les meilleurs constructeurs Android? J'ai une petite idée de la réponse. Merci Julien. Mais merci à toi Olivier, à très bientôt. Et Paul Rondy, vous le retrouvez chaque semaine dans Renfait le Mac et sur son blog Macovitalk. Voilà, merci Paul et contre un... Pardon. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.